In time, you will know the tragic extent of my failings. On est de retour et on doit faire de la cour. On va faire de la cour. On a une invitation. Donc on va aller éliminer le baron. Enfin, si on peut. Alors, c'est du vétéran, il nous faut du 3-4. Potentiellement que du 4. Alors, et on avait dit... On avait dit qu'on voulait des gens potentiellement infectés pour éviter les problèmes d'infection supplémentaires. Toi, ça peut être pas mal. Ah, on avait dit qu'avec le chien, là, c'était pas mal. Genre comme ça, c'était un truc comme ça, on avait fait. Parce que là, si on fait ça... On a personne pour marquer. En fait, il n'y a que elle-même qui peut marquer. J'avoue. Mais bon, ça évite les problèmes comme ça. Étourdissement, attaque, marque. Étourdissement. Soutien, esquive. Est-ce qu'on mettrait ça aussi? Protection. Critique et précision. Après, est-ce qu'on n'aurait pas un... Ah non, Runeville, elle vient de monter. Non, on n'a pas, on peut pas marquer. Parce que c'est vrai qu'avoir le chien, en fait, va aider avec la marque. Pour elle. Parce que je veux vraiment la monter, elle. Précision, crit, marque. Ça, c'est quoi? C'est pour pousser. Limite, on s'en fout. On peut faire ça. On peut faire un truc comme ça. Alors, elle sera moins efficace. Ça prendra un peu plus de tours, parce qu'il faut marquer. Pour qu'elle commence à faire des gros dégâts. Mais ça peut être bien. Parce que je voudrais vraiment avoir les deux, là. Le stress, ça devrait aller. Je pense que c'est pas mal. Et on aurait les deux tanks. Ouais, je pense qu'on a, on a une équipe. Là. On va regarder un peu leur habilité. Je pense qu'on a une équipe. Je pense qu'on a une équipe. C'est peut-être pas la... Le plus efficace dans le sens où... les dégâts, mais au moins elle va être extrêmement résistante. Bah on a strictement rien à monter. Ok, on a strictement rien à monter. Donc on va les équiper. Alors. Toi. Toi. On a strictement rien pour le mousquetaire, tu te fous de moi. Apparemment, non. On a. Alors les. Ah oui, contre les suceurs de sang là. Ah là on a du crit, ça peut être pas mal aussi. Alors on a distance et précision et vitesse. Alors déjà on va mettre ça par défaut. On va voir après si on change. Très bien. Là on a précision et crit. Mais ça enlève de la vitesse, c'est chiant. Il nous faut du sang aussi. Alors dégâts contre les suceurs de sang. Ça peut être pas mal. Alors, du stress, s'il souffre d'un malédiction. Non. Fanatique, critique, esquive. Si malédiction pourpre. Furie sanguinaire. Furie sanguinaire, je crois que c'est quand ils boivent du sang. Alors, les trucs avec les objets avec, avec la lumière, ça marche pas. Là, on est au premier tour. Vitesse, dégâts, stress. Non. Fatal. Que mettre. Ça, c'est les PV inférieurs, pas intéressant non plus. Pourquoi les torches elles se mettent là? C'est bizarre. Quand je charge la partie, les torches ont tendance à se mettre en bas en fait. Ah bah voilà. Précision critique.
Précision, vitesse, pression, critique. Elle perd juste 4 d'esquive. C'est pas trop grave. Je pense que c'est pas mal. 14 de précision de critique de base. Un peu de précision. Et des dégâts en plus supplémentaires. Je crois que c'est potable. Faudra la protéger, tout simplement. Faudra la protéger. De toute façon, on a le... Oups, pardon. Je vais dans le mauvais sens. On a la limite, ce qu'il faudrait faire. Précision écrite encore en plus. Il faudrait garder. Le mieux, ce serait ça. Ça, c'est vachement bien, mais peut-être que protéger les cibles, ça va nous aider, en fait. Ça va vachement nous aider. On va voir. Alors, toi, comme d'habitude, ça va pas changer. Donc, miroir. Ah tiens, maintenant, t'as ça. Fais voir un peu. Dégâts et précision, riposte. Oui, mais ça marche ou pas? Ou alors, non, c'est que quand on est en riposte, en fait. Ça veut dire peut-être ça. J'ai pas regardé si quelqu'un m'avait expliqué. Peut-être que c'est juste quand on est en riposte, en fait, tout simplement. C'est pour ça que c'est grisé. Mais j'avoue que, oui, on peut pas vraiment remplacer ça. C'est vraiment bien. Les deux sont vraiment bien. Les deux sont vraiment bien. Donc ça, c'est bon. Après, elle... compétence de soins avec le la boîte. Pourquoi ta vitesse moins 1? Je sais pas pourquoi ta vitesse moins 1. Essoufflement. Ouais, essoufflement, ok, ça marche. Et maintenant il reste plus qu'à équiper mon tag. Alors, résistance au saignement, infection, malus. On peut peut-être mettre ça, genre infection, saignement et maladie. Je sais pas si y a de l'infection vraiment. Je dirais qu'il y a plus de saignement. Alors, protection extrait. Genre moi je lui mettrais ça, mais je suis pas sûr. À la limite on peut mettre un peu d'esquive sur lui. Voilà, comme ça les deux tanks qui sont à 30 de base. Ouais, comme ça les deux tanks sont à 30 de base. Comme ça fera 40 avec le buff. Ouais, je crois que c'est pas mal. Je crois que c'est pas... Et elle, faudra la protéger. On a notre groupe. Pardon. Oui. Une invitation. Ça. Alors. Hop. Enfin, même si les torches, on a pas vraiment besoin plus que ça. Pam. Alors, il nous faut du sang. On va en prendre 6. C'est combien le stack? Ouais, c'est 6. On va en prendre 6 de sang. Ça. Je pense que c'est bon. Même les torches, honnêtement, c'est peut-être un peu trop. Parce que la dernière fois, on avait quand même fait beaucoup de choses. On avait vraiment fait beaucoup de choses. Je pense que c'est un bon truc. Il y a toujours la poussière d'éclat que j'utilise jamais. C'est vrai. Ouais, on est bien là. C'est parti, point d'interrogation. Si on prenait un peu plus de bandage. Parce que... Il y a beaucoup de saignements, je crois. Ouais, on n'a qu'à partir comme ça. De toute façon, c'est pas trop grave, on a plein d'argent. Enfin, on a plein d'argent. On a de l'argent.
Donc ça va. Alors, où est-ce qu'on en était? Ah, on revient vraiment où est-ce qu'on était, quoi. Donc, combat. Donc, ça c'est la pièce. Et il nous faut la clé, en fait. Ok, c'est parti. Soif. Ok. Furie sanguinaire. Boire le sang a un effet terrifiant sur le héros. Il a envie de violence. Merde, j'aurais dû attendre peut-être. Furie sanguinaire. Le sang me complète. Donc il a eu quoi? Ah, donc c'est quand il a soif en fait qu'ils peuvent être buffés. Dégâts plus vitesse, résistance. C'est pas mal. J'ai mis les bonnes habilités, ouais. Et combien de temps il reste comme ça? Pas mal. Oula, suis-je davantage qu'un seul pour accueillir le sang? Oh non, il stresse les gens. Merde. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Putain de merde. Confidence surges as the enemy crumbles. Ah non. On est bon. Okay. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Donc c'est comme s'il était en... Enfin, il a des bons bonus. Ouh, un coffre. Hideous mutation. Unnatural and abhorrent. Ok. Oh! Ça doit être l'invitation. Non, la clé ou je sais pas trop quoi. Oh là là. Ok, doucement. Okay, très bien. Est-ce qu'on peut le stun? 70%. Pendant deux tours, il est encore extrêmement puissant. Tiens, on pourrait lui mettre ça. Précision écrite en moins. On va peut-être le marquer plutôt. Stress en moins. Hop. Et bam! C'est nul. Ah oui, c'est vrai que le marquage du chien, il baissait la protection. Et ouais, du coup, c'est moins intéressant. Submergé. Tiens, prends-toi ça. Merde. Predator Alpha. Oh. Oi. On n'a pas de dot. Pourquoi il y a deux mecs marqués, quoi, sans déconner. Peur tapis. Aïe aïe aïe. T'as pas de dot, rien.
confluence of skill and purpose. C'est un peu de la merde nos dégâts. Hein. C'est honnêtement un peu de la merde. Precision and power. Decisive pummeling. Soothed. Sedated. Ouais, avec le chien, je pense qu'on aurait passé un meilleur moment. Enfin, après, il fait très mal, lui. Hein. Il fait extrêmement mal. Il va s'enlever la marque super vite aussi, vu qu'il joue souvent. Tiens! Oh, merde. Predator Alpha. Oh non, ça va, c'est sur lui. Ça va. Ça va, ça va, ça va. Je peux pas tirer, très bien. Oh là là. On fait zéro dégâts. Évidemment. Putain, c'est de la merde. Oh là là. Non! Mortality clarified in a single strike. Mais pourquoi? Sérieux, il y a deux personnes marquées, quoi. Tu te fous de ma gueule? Vraiment, tu te fous de ma gueule. Voilà, encore une fois, pareil. Le mec, il ignore complètement les marqués. Bon, toi, tu vas commencer à faire des dégâts parce que là, ça commence à me gaver. Là, c'est bon, quoi. Elle peut rien faire. Alors, va te faire mettre. J'ai eu ma claque. J'en ai eu ma claque, c'est bon. Voilà. Ah, quel combat de merde. Success so clearly in view. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, dégâts. Waouh, quand elle est très bas en PV, elle a 60% de dégâts en plus. Quoi. Okay. Ça va, c'est pas pété du tout, c'est bien. Oh, chier.
Tu veux pas du sang, toi? Quelle merde! J'espère que le baron sera plus simple. Ouais, mais elle est vraiment pas utile, du coup. Elle devient plus support qu'autre chose, en fait. Ouais, elle devient plus support qu'autre chose. Ouais, non, si c'est elle qui doit marquer, c'est vraiment nul. Vraiment une catastrophe. Il faut le chien. Le chien, il réduit... Un coffre-fort oublié. Il est clair que cette boîte contient une récompense pour tout ce que vous avez accompli. Le chien, il... Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Il permet de marquer, de réduire la défense. C'est vachement mieux. Alors... compétences de soins 30, compétences de soins plus 20 au campement, stress en moins, protection 25. Ok, c'est cool. Donc c'était même pas pour... Oh là là. Ok, on continue alors. Quoi? Besoin de sang. Ça marche. Ah merde, on lui a donné du sang déjà. On va attendre. Ça doit marcher comme la nourriture en fait. J'imagine. Waouh! Waouh! Sans déconner! C'est quoi ça? Pièce verrouillée. Il y a une pièce verrouillée rouge, une pièce verrouillée jaune, du coup. Oh mon dieu, comme c'est grand. Voilà. Oi, 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 oi. Non. On va peut-être passer un moins bon moment ici, hein, avec cette équipe. Bon, après, on a combattu un truc alpha, là. Ils sont super durs, j'ai l'impression, les crocodiles. On pourra ralentir. J'ai l'impression qu'ils sont extrêmement durs. Mais ouais, techniquement, on fait moins de dégâts. On est moins efficace. On est nettement moins efficace. Ouais, c'est vraiment pas bien. En fait, on devrait pas leur mettre du... Les mettre en furie, il faudrait peut-être attendre genre un boss ou un truc comme ça. Waouh. Inspiration and improvement. On va mettre 7 siècles à les tuer. Catastrophique. Singular strike.
outdated. Ouais. On va mettre 7 siècles à tuer tout le monde. C'est bien. Their formation is broken. Maintain the offensive. On est autour quoi, 5? Ah, on pourrait baisser un peu le stress. Aussi. Faut que j'y pense. Ah, toi tu peux... Oui, toi tu peux donner des bons trucs. Aïe aïe aïe, c'est un peu de la merde. Un peu de la merde, monsieur. C'est ultra méga grand quand même. Hein. Je pensais vraiment pas que ça allait être comme ça. En théorie, on est résistant, je crois. On est solide, on va dire. Ah, elle lui a mis une baffe. Oi, oi, oi. Y a personne qui va sur les marques, quoi. Mais... Ah. C'est bon, on peut jouer ou pas? Parce que là, on fait... là c'est carnage. Là. Ah, j'ai envie de partir. J'ai envie de partir là, c'est vraiment mauvais en fait. Ah mon Dieu. Je crois que pour le boss, on va prendre donc mousquetaire avec le chien. Les deux vont être inséparables en fait. À la limite, j'ai envie de dire. Ah oui, on peut prendre un homme de prime là, chasseur de prime. Mais je suis pas fan. Donc je préfère le chien parce qu'il fait du saignement sur toute la ligne. Et le saignement ici, c'est pas mal. Et la marque qui baisse la protection en fait. Ils doivent tous saigner, suivez la voie. Ok. Oh mon Dieu, ok. A devastating blow. Cool.
bien. Au cas où, si ça fait un critique. Ah ! 11, très bien. Ah, ah, ah. Ne soyez pas à pureté de la puissance dont le sang me fait don. Ok. Pour en tuer, le besoin s'apaise. Allez, on va la tuer. Ou pas. C'est bon. This expedition at least promises success. On est où? On est là. Pièce verrouillée, on va aller en bas. Oh, non. J'espère que ce liquide a un effet. Ah, ok. Bon, on va essayer de faire un peu le tour vite fait, mais... c'est pas vraiment le top. Hein. Il n'y a rien quoi. On est trop plein de trop de trucs en fait. Mais t'as de la merde à chaque fois, tu me donnes de la merde. Aïe 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 aïe. Je sais pas, c'est impressionnant d'avoir une si mauvaise équipe, mais encore une fois, bon, c'est pas trop mauvais, c'est juste qu'on est méga lent à tuer du coup. Parce que comme j'ai dit, de toute façon, arbalétrière, mousquetaire et tout ça, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui marque. Ça, c'est... ça, j'avoue que c'est un truc qu'il faut que je me mette dans la tête. Que ça sert alors strictement à rien. La classe ne sert à rien. Les dégâts sont nuls. Les habilités sont nulles. C'est pas utile. Très bien. Ouais, super. Allez. Aïe, 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 aïe. Ouais, toutes les habilités sont pas utiles. Même genre, ouais, baisse la précision, tout ça, mais on s'en fout parce que
Le docteur peut faire pareil. Enfin voilà, c'est vraiment nul. Mais après, quand on met quelqu'un qui marque, après, il faut savoir les marqueurs aussi. Il faut connaître les marqueurs. Les plus intéressants, c'est les marqueurs qui baissent la protection. Donc le chien. Après, les marqueurs qui baissent la précision. Non, l'esquive. Genre, mousquetaire, elle fait l'esquive. Mais ça aussi, ça sert à rien. Genre 20 critiques, c'est nul. A dizzying blow to body and brain. Très bien. As victories mount, so too will resistance. Je suis assez déçu. Mais bon, c'est un peu ma faute, ouais. J'aurais dû y penser. Que ça servait strictement à rien ces classes s'il n'y avait pas de la marque. Après, qui est-ce qu'on pourrait jouer, le croisé ou le maître d'armes pour le boss? Je pense qu'on va faire le maître d'armes. The wounds of war can be healed, but never hidden. Maître d'armes, chien. Oh mon dieu, non. Aïe. Enfin, de toute façon, les machins, ils oui, il y a de la marque partout. Regarde-moi ça. Il y a trois personnes marquées. Elle tape celle-là en dernier. Quoi. C'est ouf quand même. Hein. C'est incroyable. Hein. Oh là là. Qu'est-ce que c'est bien. Puis on a zéro dot. Carnage, quoi. Voilà, 100, c'est bien. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Eh ben voilà. Ben voilà. Très bien. Comme on avait tellement, mais alors tellement bien joué. Le premier groupe qu'on avait envoyé ici. Oh mon dieu, il était superbe le groupe. Ouais, admite, on prend le croisé, parce que le croisé, il peut se mettre la marque pendant le combat entier, honnêtement. J'aime bien ça, comparé à l'homme d'armes. L'homme d'armes, c'est mieux pour, en général, en fait.
Ou alors faudrait lépreux et homme d'armes. Parce que homme d'armes il fait support avec tous ses buffs et tout ça. Et lépreux il fait le vrai tank parce qu'il reste un combat. Et le croisé il reste un combat aussi. Mais le croisé c'est pas un DPS. C'est ça le problème. C'est pas un gros DPS comparé à un lépreux. Donc du coup... Putain, on a pris tout ça pour rien. Enfin, tout notre équipement là, c'est sûr. C'est beaucoup d'équipement, beaucoup d'argent pour un petit run quoi. Jouer. Je suis la furie, je boirai dans mes ennemis. Devrions nous enfuir, honnêtement? Ouais. Honnêtement, ouais. Those ouais. Who covered injury find it in no short supply. On va essayer de faire deux combats. Quelques combats en fait, le temps de que tout le monde soit bien stressé, puis après on se casse. Voilà, tape L parce que c'est de la merde. Voilà, toi passe ton tour, ça c'est encore mieux. Voilà. Très bien, allez, c'est parti. Stressé, oui. Ah là 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 là. Ouhou. Ouh, comment on s'amuse. Ouh, qu'on s'amuse. Oh là là, regardez-moi ça. Toujours sur elle, quoi. Toujours sur elle. Magnifique. Ça revient, c'est tous des vampires en plus. C'est vraiment magnifique. Voilà, allez, on loupe le stun. Ah ouais. Il reste plus que le croisé à stresser. C'est bien, on va pouvoir tous les mettre en déstressant au même endroit. Les 4 là. T'as vu qu'ils sont tous contaminés, c'est bon ? Aucun problème. Voilà, joue pour moi, tiens, tant qu'on y est. Là, tout de suite, je donnerai tout pour être à ta place. Executed. On peut partir sans déconner quoi. Momentary abatement.
Ah, ça s'est super mal passé. Ah là, là je peux rien dire d'autre. Hein. Non, enfin, c'est pas grave, comme ça. Impressive. Pour la flamme. Seulement j'avais toujours su comment ressentir un tel plaisir. Bien. Pas encore besoin de suture. Ok. Ouais. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Oui, ça va être. Ah. Ah. Fear and frailty finally claim their due. On a les quatre stressés. Oh putain, regarde tout cet argent gâché quoi. On fait quoi? On fait encore un combat? On teste? Là, je sais pas quoi faire là. Bon, après, on a fait l'alpha. Non, comment il s'appelle? Le crocodile là qui fait prédateur alpha, je sais pas quoi là. Bon, il a l'air méga chaud lui. Hein. Lui, j'ai encore du mal à le combattre. Mais enfin, la première fois, je crois que ça s'était bien mieux passé. Là, ça c'était, là c'était carnage. En fait, on avait pas de dégâts. Pas de dot, rien. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va tester encore un combat. Au pire, on s'échappe pendant le combat. Si on est quand même full vie, c'est pas trop grave. Il y a juste le stress qui est vraiment haut. Ouais, ouais. Bon. La furie sanguinaire est intéressante, on a des dégâts en plus, de la vitesse en plus, de la résistance. Des fois on perd un peu contrôle de ce qu'ils font, c'est un peu ça le problème en fait. Ouais, c'est un peu embêtant. Je dirais que je préférais ne pas l'avoir. La malédiction pour. Je pense. Parce que ça rajoute un peu plus de RNG en fait. Et le RNG c'est mauvais. Le RNG c'est simplement mauvais. Bam. Par contre, maintenant, ils ont besoin de boire souvent. Hein. Les autres, non. Est-ce qu'il y a plusieurs stades de soif ou je sais pas quoi? Évidemment.
Ah non, laisse-moi jouer. Mon Dieu. Frappez-moi. Non, ça m'aide, ça. Enfin, de toute façon, j'allais le faire. Donc... Ça aide pas trop, en fait. On peut détruire les cadavres. Est-ce qu'on peut pas avancer? Est-ce qu'il n'y a pas le chien? Magnifique. Même pas tué, magnifique. On va tellement partir après. Push on to the task's end. C'est bon, j'ai eu ma claque. Failure tests the metal of heart, brain and body. J'en ai eu ma claque. Non, sérieux. Bon, à la peau dure, c'est bien. Essoufflement. À la peau dure, pas mal. Back across the sticks. Depuis, c'est quoi ça? Depuis l'au-delà, par une malédiction odieuse ou un miracle pernicieux, il semble que même la mort puisse être bravée en ce lieu maudit. Seulement un de ces soldats peuvent revenir parmi les vivants. Oh merde. Oh, on peut faire revenir... On peut faire revenir Gaël. Ou alors Thomas. Merde. J'ai envie de dire Gaël. Gaël, on en a déjà un. Thomas, il est vachement bien. Gaël, on a The Giant Dad. Qui peut... Qui a... Faut que je me renseigne sur cet événement. Ça tue ? Attends. Mais en fait, ils ont des couleurs de merde. Donc on prend le deuxième qui a la couleur vive. Waouh, ça tue. Je savais pas qu'on pouvait récupérer des personnages. Gaël est vachement bien. Mais on a déjà Giant Dad qui fait office de lépreux. Et après on a Thomas. Et là on n'en a pas. Ah ouais, tu les choisis comme ça en fait. Okay. Bah go pour le bouffon. Hein. You will be laughing still at the end. Il a rigolé à la fin. Putain, ça tue?
depuis l'au-delà. Ah ! Ah, c'est classe ! Et c'est un événement comme ça complètement aléatoire du coup. C'est même pas un événement qu'on peut avoir genre ici quoi par exemple. Putain ça tue. Donc toi t'as... Oh là non. Oh là là non. Attends, tu récupères ton perso et il est niveau 1 partout. Il est niveau 1 partout. Même l'équipement. Oh yo yo. Putain, est-ce que ça vaut le coup quoi? Still at the end. Oh lolo lolo. Moi faut que je fasse une pause que ça me... Ça m'embête en fait. Bon là on a récupéré quelques trucs en jaune là. De la cour pourpre. C'est pas mal. On verra si on les utilise ou pas. Il y avait des trucs intéressants genre même pour la furie et tout. Bon ça fait quand même beaucoup d'argent à remettre dans le personnage. Alors oui, c'est un niveau 6 direct et tout, mais ça fait quand même énormément d'argent à remettre dans le personnage. Genre, il faut tout remonter au max. Ça nous fait, je sais pas, genre 30k au moins, je dirais. 30, et en plus, 30k, je dirais, c'est même pas pour toutes les habilités, c'est juste 4, voire même 2. Genre, on fait ça au max, les deux sons. Et les tenues et l'équipement. Oh là là, comment ça va être cher. Ouais, je sais pas. Je sais pas si ça vaut le coup. C'est cher, cher de cher. Bon, après, on en a pas, donc bon. Pour le sens. Après, si on est au niveau 3. Si on les prend au niveau 3, ils ont déjà quoi d'augmenter? Déjà ça au 4, en fait. Et tout ça au 4. Après, il n'y a qu'un seul niveau, en fait. Putain. Puis en plus, c'est pas comme s'ils avaient des trucs super bien. Enfin, c'est pas comme s'ils avaient des habilités vraiment bien. Mon dieu, je sais pas. Bon, moi, je vais faire une pause. Puis en plus, il y a des maladies et tout ça. Je vais faire une pause. C'est plutôt cool. Je vais aller me renseigner sur cet événement-là. Voir comment il fonctionne. Le depuis l'au-delà, événement urbain depuis l'au-delà. Je vais voir comment ça fonctionne. Mais j'avoue que ça fait un peu chier quand même. Hein. Après, bon. Ah oui. Ah, après, c'est un mec qui a fait le Darkest Dungeon en fait. Ah. Ouais, non, en fait, c'est pas mal parce que c'est vrai que c'est des. Ils sont uniques du coup. Les gens qui ont fait le Darkest Dungeon, ils ont ça. Ils ont la décoration, donc en théorie, bon, c'est bien. C'est vrai que c'est bien. Ça permet de pouvoir augmenter les expériences des autres. Ouais, allez, ça vaut le coup. On va l'augmenter, l'utiliser. Enfin, le réutiliser. Mais c'est cool. Mais je vais voir si on peut récupérer Gaël. Aussi, parce que ça serait vraiment bien. Je vais voir un peu comment... les prérequis, en fait, pour qu'on ait ça. Parce que je ne l'ai jamais eu encore. De l'au-delà. Bon, en tout cas, je fais une pause. Ou alors je termine l'épisode. Je sais pas encore. On va voir. On verra ça la prochaine fois. À tout de suite, sûrement. Je pense. Ciao. Ok, on est de retour. Alors, je suis allé me renseigner pour le. J'adore les effets du cimetière. Vraiment cool. Ouais. C'est vraiment sympa. Je suis allé voir pour l'effet du cimetière. Donc ça peut arriver, c'est complètement aléatoire. Je sais pas vraiment le pourcentage pour que ça arrive, mais ça peut arriver.
Et apparemment, ça arrive seulement si vous avez au moins 3 personnes mortes. Donc on va devoir aller tuer quelqu'un. Donc on va faire ça. Et une chose aussi, c'est que donc notre jester, Thomas, il est là. Il a deux choses en fait uniques. Il n'a pas que ça. Il n'a pas que le fait d'être, d'avoir gagné le donjon, le Darkest Donjon. Il a aussi le fait que du coup il est marqué comme ça, avec la torche, et il compte pas. Il compte pas dans les rangs. Et oui, parce que tous les gens qu'on a en fait, qui ont fini le donjon, ne comptent pas. Donc c'est quand même assez bien en fait. C'est assez bien parce que ça nous fait une personne gratuite en plus. Parce que là on a 28 sur 29, mais ceux qui ont fait tous ceux qui ont participé en fait au Darkest Dungeon, bah ils comptent pas dans le lot. Donc oui, ça vaut le coup de l'avoir, ça vaut le coup de récupérer en fait les personnages comme ça. Parce que ça nous fait des personnages complètement gratuits. Voilà. Voilà, c'était la petite histoire. C'était la petite histoire. Alors ce qu'on va faire, parce qu'on a des problèmes de stress, on va devoir baisser le stress. On va devoir baisser le stress. Alors, faites voir un peu. Obsession pour la sainteté. Ok, toi tu peux aller partout. On va faire comme ça partout. Toi c'est que là. Toi c'est quoi? Merde. En ville ne bois jamais. Flagellant, ok. Alors ce qu'on peut faire. Il faut voir si tu mets une personne. Moyen. Oh. Ok. Du coup, on peut mettre E pour baisser le stress. Et après, il faut faire L aussi. Ah, c'est embêtant. Elle est juste ça. De toute façon, on n'a personne d'autre à faire. Après, si je mets quelqu'un, il y a une chance faible, moyen. Toi, tu vas te transformer en vampire, toi aussi. Ouais, on va faire comme ça. Ou alors, on lui enlève le fait qu'elle soit flagellant. C'est vrai que c'est relou. Mais après, elle a rien de compétence de soin, 20%. Ah, si, on avait ça à bloquer. Alors, attends. Mais du coup, on va pas pouvoir la prendre. Ça, c'est emmerdant. Qu'elle est stressée. Et je voudrais avoir tout le monde de près, en fait. Enfin, quoique non, il nous faut une invitation, de toute façon. Il nous faut une invitation. Donc, c'est pas comme si on allait récupérer une invitation. On peut le faire en deux fois. Donc ça, je veux le garder. Ouais, ça. Très bien. Très très bien. Qui d'autre est ça, toi? Père du Dieu. Ça sert à rien de t'enlever des trucs. Souffre d'une torture morale. On peut que prier pour déstresser. Ouais, c'est pas trop grave à la limite. toi par contre, oui, du coup je peux plus t'enlever des maladies parce qu'il y a un risque. Tortured and reclusive. This man is more dangerous than he seems. Ouais, mais il va pas rester en vie. Parce que oui, c'est ce qu'on va faire, on va tuer une personne. On va tuer une personne. Ok, stress, c'est bon. Toi. T'as la rage, il va falloir l'enlever. Bon, maintenant, on peut plus. Vas-y. Ok, tout le reste est bon. Alors. Ce qu'on va faire, vu qu'il faut au moins 3 personnes,
On peut envoyer des... On peut faire ça. Combien cette quête est de 12. Ah bah oui, ah oui, ah oui, on fait comme ça ici. Une âme pour une âme. Waouh, il rentre, il a 65 de stress. Juste un arbre. Attendez. Terrors may indeed stalk these shadows, but yonder. Oh les suceurs de sang. Bah c'est oui non, faut le voir comme ça, hein. C'est une âme contre une âme. Hein. Parce qu'on a besoin de Gaël, on a besoin de revenir Gaël, donc on est obligé de sacrifier quelqu'un. Et c'est pas parce que vraiment on le veut, hein, c'est que on est un peu obligé. C'est à cause du cœur des ténèbres. Hein. C'est lui qui a commencé ça. Bon bah putain, c'était rapide. Ignorance of your enemy and of yourself will invariably lead to defeat. Voilà. Voilà, voilà. In time, you will know the tragic extent of my failings. Ah, le bracelet de fortune, c'est pas... Oh putain, on en avait qu'un. C'est ça? Ah non, c'est quoi le bracelet de fortune? Stress 10, précision et critique. Oh, mais c'était un truc en or? T'as une espèce de con. Enfin bref. Elle est jolie la ville quand elle est bien éclairée comme ça. Crise cardiaque sur un niveau de stress insoutenable. Et on est à la semaine 99, j'avais pas vu. 95, mais... Semaine 99. Semaine 95. Ouais, c'est bizarre. Aïe 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 aïe. Alors, ça c'est permanent. Ok, les machins ils ont soif, mais ça va. Alors, le stress, c'est pas encore ça, hein, c'est pas encore ça. Donc toi, tu peux... Le frisson du gain. Il y avait quelqu'un, on devait lui enlever une maladie. Toi aussi, il faudrait enlever une maladie. Il faudrait t'enlever... Vitesse 3, à la limite, tu peux garder ça. Alors attendez, il faut d'abord que je règle elle. Donc maintenant elle peut aller partout, ça c'est bien. E2, le stress, ça va. Le stress, ça va, on n'en parle pas. Alors, et on n'a personne d'autre à déstresser. Donc on peut y aller. On avait dit qu'on voulait garder pourquoi ? C'est quoi qui coûtait ? Oui, c'est ça qui coûtait très cher. Ah, ça m'embête un peu d'utiliser des... ça. Non, on va pas utiliser. Ouais, ouais, vas-y, va toucher tes pensées. À défaut d'autre chose. Alors, 2 bouteilles de sang par semaine, ça c'est intéressant aussi quand même. Vu qu'on commence à avoir des vampires, 2 bouteilles de sang brassées chaque semaine, honnêtement, ça serait vachement bien qu'on essaye de le récupérer. Genre, vite. Genre, vite. Parce que là, on a 5 personnes. On a 5 personnes infectées. Et on risque d'en avoir de plus en plus.
On essaye d'y aller lentement, enfin de faire attention du coup pour pas que ça se propage, mais dès qu'on envoie des gens au... dès qu'on envoie des gens du coup à ce... dans ces terres là, oui, il y a des grandes chances que ils se fassent infecter. Alors... Donc pour finir, qu'est-ce qu'on va faire ? La Toussaint. Donc on a vétéran, vinificateur. On a encore du sang, honnêtement, donc c'est pas trop grave. Par contre, j'ai bien envie de tenter. Ça. J'avoue que la balle de mousquet. C'est balle de mousquet ? Ouais. Balle de mousquet, ça peut être intéressant. D'avoir en fait, parce que tout le monde peut l'équiper, donc je me dis peut-être qu'on devrait quand même essayer de récupérer ça. C'est sûrement un des derniers objets qui nous manque pour point de vue dégâts en fait, point de vue, parce qu'on a mêlée et tout ça, mais on n'a pas, à distance. Alors je crois qu'on a un 5, on a Runeville qui est 5. Ok, il y a une ville qu'on peut prendre avec nous. On peut reprendre Thomas aussi pour nous aider parce que c'est un combat assez, ça va être long. On va voir. Maintenant, il nous faudrait des trucs. C'est où? C'est là. Le wield, c'est quoi? Et en plus, on sera niveau 6, je pense, voire 7, je sais pas. Wild, c'était quoi déjà? C'est les cochons. Non, la tanière, c'est les cochons. Wild, c'est les... Faut que je regarde parce que je m'en rappelle plus. Ah, c'est... Ah oui, tout ce qui est infecté, c'est ça. Oui. C'est ça? Attendez que je regarde. Avec les champignons et tout, non? Oui. C'est la merde. Tiens, la mélodie exaltante. Soin de stress reçu, plus 25. C'est pas mal, hein. Alors, attendez. Donc là, c'est des trucs qui peuvent infecter. Donc, on va devoir avoir quelqu'un qui nous enlève l'infection et tout. Je crois que ça va être mieux. Je sais pas si on a vraiment besoin de lui. Qu'est-ce qu'on fait? On sort un docteur? Non. Sortir un docteur. Endurance, stabilité, esquive, stress en moins. Je pourrais lui trouver un vrai nom parce que j'avais mis docteur par défaut, mais elle. Mais bon. Je sais pas. Je trouverai un nom. Nesdin. L'un ou l'autre. Je pense que elle, ça serait peut-être mieux. Toi, tu te casses. Parce que, pourquoi Giant Dad? Parce que la résistance en fait à l'infection et tout ça. C'est surtout ça en fait. On va lui mettre même une protection peut-être en plus encore. Comme ça il devrait pas avoir de problème pour tout ce qui est infection et tout, et on passe un meilleur moment. Bon, après, on a un docteur, donc est-ce qu'on a vraiment besoin de protection? Oh là là, j'en sais rien, moi, quel bordel. Est-ce que c'est vraiment utile?
Pour camper, là, on aurait quoi? Toi, tu pourrais infection. Ouais, enfin, pour camper, on n'a pas grand-chose en fait. Genre, il me faudrait un groupe qui est un groupe sans trop de problèmes, où ça se passe bien. Non, mais il nous faut un docteur parce qu'on a un soin qui peut mettre du saignement. Non, il nous faut un docteur à tout prix. Verdune, tu vas nous aider. Après, on a qui d'autre? On a Lioge. Qui d'autre? Druelle. Druelle avec de la protection en plus. Repérage de 5 à la tanière. Dégâts dans la crique. Putain, c'est nul. Ouais. Allez, on va passer comme ça, je pense. Je pense que là on est bien là. Là, je pense que l'équipe elle est safe. On a du stun, on a des dots. On a un tank DPS, ça va. Je pense que niveau sécurité, ça va. Alors. Il nous manque des objets, hein. On n'a genre plus rien pour le lépreux. Genre, on a perdu combien de trucs, bordel de merde. Alors, ça. Critique, dégâts. Donc, lui, il va se booster les défenses. Donc, il n'y a pas trop de problèmes. On n'a pas besoin de prendre ça, je pense pas. On va tuer des bêtes. Des bêtes, des humains et des horreurs. Bêtes, humains, horreurs. Je crois que c'est à peu près ça. Précision et critique. Infection et malus. Ça, c'est pas mal, ça. Crème à moustache. Étourdissement et esquive, peut-être. Ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal déjà. Toi, il faut qu'on utilise les objets. Faut qu'on augmente tous ces trucs aussi. Alors là, on a des dégâts. Alors en position 4, non merci. On a de l'esquive. Esquive vite max. PV esquive. Voilà, PV esquive très bien. Toi, comme d'habitude. PV max, vitesse esquive. J'ai bien envie de mettre ça. Ok, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on a une équipe. Faire un niveau 3, ça va être trop lourd, mais bon. Ça. Runeville. Hop. Parfait. Ok. Mais bon. Je pense que ça va être bon. Là, on a des. En gros, c'est l'équipe Dot avec tank, mais tank qui est protégé plus ou moins contre tout ce qui est infection, maladie et tout ça. Ça va nous aider. Ouais, let's go. Ça va être notre dernier run pour cet épisode. Et il faudra trouver aussi des vampires.
ça m'embête parce que là notre argent commence un peu à tomber. Donc ça me... Je suis pas très fan en fait de ça. Pas très très fan de ça, mais bon. Belle. Ok. Ça va être long. Ça va être long. Je sais même plus ce qu'on doit faire. On doit, je crois que c'est toutes les salles de combat, je crois. Aïe, 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 aïe. I knew all these paths once. Ah non, now c'est... they're as twisted as my own ambitions. C'est parti. Non. Maintenant, pas besoin. Horreur, horreur et humain. Parfait. Beaucoup de dégâts. Mais bon. Great is the weapon that cuts on its own. Dégueulasse. Ah, ça va être un peu long hein, ce niveau. Hein. Mais les combats devraient bien se passer. On est très résistant. À la limite, le stress, mais bon, ça va. Devrait pas trop en chier. Precision and power. Parfait. Prodigious size alone does not dissuade the serpent blade. Pas mal comme début. Qu'est-ce qu'on fait? On campe ici. On avait dit qu'on pouvait camper au début. Il y a beaucoup de gens qui campent au début. Je dirais pourquoi pas. Peut-être. On va voir si ça marche bien. Furtive and vulnerable. Rats in a maze. Alors, on est obligé de faire ça, du coup. Alors, précision écrite. C'est vrai qu'on n'a pas grand-chose. Ça aussi, plus de résistance, très bien. Maintenant on a 4 pour augmenter les dégâts. On pourrait... Personne n'a une infection hein, de toute façon, de maladie. Alors on augmente les dégâts ou on fait ça? On baisse le stress des autres. Mais ça devrait être potable. Moi je vois bien le dégât en plus sur lui. Voir de l'horreur se répandre. Du coup, tu peux t'enlever le stress? Non, c'est 3. Soigne une maladie, résistance aux maladies plus 20% sur soi. Très bien. Très potable.
Ça c'est quoi ça? Tous les compagnons stress et lui il a moins 25. Ouais. Très bien. Elle a plein de cheveux en fait. Quand elle enlève son casque, son masque. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Alors attends. Peut-être faire ça. Ouais, c'est pas mal comme ça. Donc on doit faire les salles. Si on combat les trucs maintenant, on va être un peu plein. On va attendre. Parce qu'on est 100% certain de récupérer en fait du... comment ça s'appelle, une invite. Bon, bien sûr, si on arrive à tuer le machin. Mais je veux dire, ça va nous prendre un emplacement en fait. On va passer par là. Ça nous fait faire deux combats. Non, c'est peut-être une connerie ce que je fais. J'en sais rien. Giant Dead qui est trop lent. Slowly, gently. This is how a life is taken. Waouh, et qui est bigleux aussi apparemment. Ah, tout le monde est bigleux, c'est bien. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Incroyable. Ça fait un peu des buffs gâchés en fait, quand même. Ça fait quand même des buffs gâchés. Hein. Je sais pas si ça vaut le coup d'y aller, on a combien de pelles? 4. Au moins on sait ce qu'il y a. Ledger herself, a victim to the spreading corruption. Malformed with misintent. Oh, 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 oh. Impressive. Infection partout, c'est bien. Enfin, infection des vampires partout, quoi. Masterfully executed. Aïe 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 aïe. 25 de ce... Eh merde. Aïe aïe aïe. Such a terrible assault. Cannot be left unanswered. Ça me trotte dans la tête. Is broken. Maintain the offensive. Qu'est-ce que j'en ai marre qu'ils ignorent la marque comme ça autant. Ouais,
55%. On va soigner un peu parce que sinon ça va être un peu une catastrophe. T'as quand même 120% de résistance au saignement. Je viens de te faire saigner. Je veux pas dire, mais... Hein ? Évidemment, jamais sur le tank, c'est bien. Ça fait plaisir. Allez. Ouh, joli. Décimated. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? The light, the promise of safety. Faut des bustes. Rien de valeur, ça marche. Coffre de l'argent, surtout les bustes qu'on a besoin, hein, je pense. Les bustes et les blasons. Bon, Giant Dead est devenu un vampire. Ça fait un de plus, ça fait quoi? 5, 6. Ça fait 6 vampires qu'on a. C'est par là. Après, on a pas mal de... on a pas mal de sang pour l'instant. On a encore une cinquantaine, je crois bien. Alors là... On peut faire un aller-retour, à la limite. Comme ça, on marque les salles qu'on connaît le plus... Ah non, je vais me refaire ce que je viens de dire. Parce que ces salles-là... Oh ! Une invitation. Ces salles-là, elles sont connues, donc on sait ce qu'il y a. Une invitation. Putain, vitesse 7. Ça va être chaud. HP. Je sais pas s'il meurt du dot. Ouais, non, ça va. Il meurt du dot avant de pouvoir partir. Très bien. J'ai un peu peur qu'on prend trop de dégâts de stress en fait hein, avec ce groupe là. On est puissant mais oi oi oi. Résistance, ok. Tu loupes comme ça, faut que je regarde tes pourcentages parce que là ils sont pourris en fait. Incroyable. Soixante-quatorze sur le moustique, ça va quoi.
devastating blow. Les pétales doivent tomber. Aïe. Press this advantage. Give them no quarter. Très bien. Pas mal hein, 30 HP. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. On a 1000. Oh putain. On a 1000 avec un joyau. Si jamais on en trouve un deuxième, ça fait déjà plus. Donc je crois que je vais en garder un. Après, est-ce qu'on jette d'autres choses? Alors, genre les bustes, on en a besoin. Donc j'ai pas vraiment envie de les jeter. On a besoin de 60. Trop tard, voilà. On peut plus revenir en arrière. C'est quoi ça? On peut trouver de la nourriture ou pas? Ouais. Yes, nickel. Oui, approfondi. De l'argent. À la limite, les grands runs, peut-être que... Parce que moi, j'avais dit que les grands runs, ça servait pas à grand-chose avec une antiquaire. Maintenant que j'y pense, peut-être que si. Parce que... on peut... collecter plus de choses, en fait. Genre, l'argent, c'est 3500 stack, je crois. Peut-être que oui. 84% et tu loues. Incroyable. Incroyable. Voilà, c'est bien. Saignement. Saignement, quoi. Allez, vas-y, pour 1 HP, quoi, super. Ça me rend fou. Ah, on n'a pas de sang sur nous. Merde. Il y a aussi ce petit problème, c'est qu'on n'a pas de sang sur nous. Oh merde. The bigger the beast, the greater the glory. On va sûrement tomber sur... J'ai besoin de sang. Oh la vache. Il faut du sang. Je sais pas s'il faut tuer lui ou pas. Pour du sang. Je crois que c'est eux là. La soif, la soif. Oui. Oh mon dieu.
human mind. Fragile, like a robin's egg. Ça va être une catastrophe, cette... ce truc. Ouais, ouais. Très bien. A time to perform beyond one's limits. De faible, portez vos blessures avec honneur. Oi. Incroyable. Ma putain. Bon, bref. De toute façon, il peut partir, on a une invite déjà. Mais merde quoi. Ah. Oh là là. C'est une putain de catastrophe, le run, encore. Il nous faut des trucs en fait qui esquivent, hein. Non mais y a pas à chercher, hein. Esquive ou alors un bouffon. Y a pas à chercher, hein. Ça sert à rien, sinon. La soif. Machin qui arrête pas de se heal quoi. C'est... Je vais péter un câble. Set the stage for heroism or cowardice. Y'a rien qui va maintenant. Ça y est, c'est fini. On va partir. Je peux sentir leur sang. Si tu pouvais les tuer aussi, ce serait bien. J'aurais dû faire l'autre. Ça se pareil. On n'a pas de sang. As victories mount, so too will resistance. On fait comment quand on n'a pas de sang? Y'a tout le monde qui stresse en fait, parce que quoi? Parce que lui c'est un vampire en fait? Soif. Là maintenant il a soif. Ah oui, il y a plusieurs stades en fait. Okay. Comme ça.
Ah, c'est sûr que tu fais mal, hein. Sainte agonie, lancez votre chair impure contre les lames tranchantes des hérétiques. Ah, okay. Oh, ça y est. Puissance. Anger bon. Power. Unleash it. Yay. Toi, viens ici. Putain, ça tue. C'est super, en plus ça me soigne pas du coup. C'est magnifique, magnifique. Ah super, ah oui. As life ebbs, terrible vistas of emptiness reveal themselves. De toute façon, ça sert à rien de le soigner plus, parce qu'il va... Il va passer à l'agonie, donc au moins il faut tuer quelqu'un là, parce que là... Là, ça commence à me gaver, là, la putain de sorcière de merde, là. Petit truc, putain, je la couperai en rondelles, quoi. Allez, vas-y, fais stresser le reste, vas-y, fais stresser le reste, putain. Toi. Incroyable. Putain de merde. Chier. Allez, un tour pour rien. Yes. Infection, infection. Allez, le docteur maintenant. Voilà. Pas mal. A victory. Perhaps the turning point. On va aller se reposer au là-haut. Oh, les autres aussi vont stresser. On devrait le faire maintenant. Le repos. Gathered close, oh. In tenuous firelight, an uneasy companionship. Alors, stress moins 50. Moins que rien, tout le monde vaut bien nous fuir, en fait, fardeau. Oh ! Il vient de me refuser le moins 50. J'en peux plus.
c'est bien. Très bien. Oh la vache. In radiance, may we find victory. Je dois vérifier que le sang n'est pas caché ici. La défoncer elle en fait. Bon, elle mourra au prochain tour, c'est déjà ça. Ouais, ouais, accueille les... La douleur à bras ouverts. Allez, c'est parti! Et c'est la merde! Reeling, gasping, taken over the edge into madness. Ah! Et on évite! C'est bien! Et on se prend des critiques! Et on s'en prend des debuffs aussi, oui, et eh oui, c'est parti, voilà, on est à 193 sur 200, allez, courage, waouh, ça fait quoi, courage, ça baisse le stress des gens, je crois. Yay, critique à 53. Bête noire est magnanime aujourd'hui. Okay. On a peut-être une chance. Pas avec cette merde, non, en fait, on a pas de chance. Là, il va falloir vraiment les tuer très vite, quoi. Noir est magnanime aujourd'hui. Très bien. Yay. J'aurais dû peut-être taper le chien en fait. Ça va. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. A trifling victory, but a victory nonetheless. Quel carnage. Enfin, je la mérite ma récompense, hein. Je la mérite. Le problème c'est qu'on n'a pas de sang en fait.
Donc lui il est devenu super puissant et l'autre il réduit le stress en fait, c'est ça. Non. Aïe. Voir un peu les dégâts. Vertu 25% en plus. Bon, de toute façon, c'est bon. Ok, va te faire mettre. Va bien te faire mettre. Ah, le stress ça va être chaud. S'il avait pas refusé le moins 50, honnêtement ça se passerait nettement mieux. En plus tu peux infecter quand tu fais ça. Je ne sais pas ce que je suis devenu, mais je sais dont j'ai besoin. C'est dont j'ai besoin. Yes, let's go. Ok. Ah ben, putain. Rien de valeur. Yes, un combat qui vient d'apparaître. Yes. Oh mon dieu. Il est dépérissement. Dépérissement. Coup fatal, moins 10%, saignement, PV max. Il lui faut absolument du sang. À la lumière, ok. Donc il lui faut absolument du sang, je pense. Est-ce qu'il peut mourir de... J'imagine que oui, hein. Question un peu conne, ça. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Bon, je pense qu'on va faire ça, parce que le joyau... On a encore beaucoup de chemin. Ouais, et s'il risque de bouffer plusieurs fois. Allez, on va faire ça. Quel bordel, l'équipe, quoi. L'autre, il est stressé. L'autre, il est vampirique, il a besoin de sang. Tu me donnes ça maintenant, sérieux? Excuse-moi, mais je dois m'assurer qu'il n'y ait pas de sang. On fait le combat, comme ça peut-être qu'on va tomber sur du sang. Non.
À la limite, c'est vrai qu'on devrait le tuer en fait. Pour éviter qu'il fasse venir des moustiques. Et peut-être que c'est lui qui droppe le sang en fait. Ouais. J'ai pas pensé à ça. Oh putain. Incroyable. Ok, on est bon. Que les dieux aient pitié, je suis presque vide. Yes! Seize this momentum. Push on to the task's end. Ah, on peut mettre deux barons, ok, cool. Oh, je suis sûr que ça nous sert à rien. Mais... Ok! Il va y arriver. Oh la face! Non mais la blague, chef. J'avais légèrement oublié qu'il pouvait avoir la créature aussi. Aïe 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 aïe. Oh mon dieu, c'est une erreur de venir ici. Allez, allez, allez. Bon, on a des dots, c'est déjà ça pour l'équipe. On a déjà des dots, c'est la bonne chose qu'on ait. Non, faut pas stresser. Non, ça va. Quoi ? Pas de mort pour vous aujourd'hui, hormis celle que vous avez semée. Ouh ! Ouh, dégâts plus 15% à tout le monde. C'est bien ça ? Aïe aïe. Ok. Oh putain, ça stresse ça. Chut. Bon, ça va, il a pas beaucoup de. Il a pas beaucoup de PV le machin, ça va. Non, mais. Bon, lui il pourra taper double à la limite, ça va. Eh, on lui avait pas mis des dots. Pourquoi il a plus rien? Tiens. La marée monte et la marée descend. Oh, merci, Captain Obvious. Ah, on va l'appeler Captain Obvious, en fait. Oui, 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 le stress. Oh là là, le stress. Laisse-moi faire, laisse-moi choisir ce que je veux faire. Merci. Oh putain. Executed with impunity. Le pouvoir revient à ceux qui n'ont aucune peur, c'est toujours ainsi. Ouais, maintenant lui il va devenir inutile en fait, parce que on fait plus de dégâts. En fait, il faut faire que des dots. Donc on va le faire se soigner. Oh mon dieu, si on arrive à survivre. Quoi ? Oh, il a perdu sa puissance.
Oh, je savais pas ça. Oh ma merde. Terrible vistas of emptiness reveal themselves. Il a perdu sa puissance. Et mais par contre, il est revenu à zéro en stress. Ça c'est vachement bien ça. Je savais pas du tout. Ok. Je savais pas du tout comment ça marchait. Alors du coup, elle aussi, si elle re-arrive avec à 200, elle va perdre courage, mais... Mais du coup, elle risque rien. En stress, je parle. 8 à 15. Ah, mais il y a une chance quand même de louper, putain. Bon, on va faire ça, alors. Je pensais qu'on n'avait pas de chance de louper, en fait. Donc, s'il fait 8, on est, on est mort, quoi. C'est trop bon. Allez, critique, hein. Incroyable, incroyable. Puis il va nous falloir de la place pour les cristaux. Oh, c'est magnifique. Merde, j'ai pas détruit le cristal. Ah, ça va en fait. Ouais, non, ça va. Enfin, c'est juste que ça fait beaucoup de stress, quoi. Peut-être l'infection, elle doit être très grande. Quoi ? Oh mon dieu, on a eu un truc ancestral. Attends. Ah, mais si jamais on a besoin de ça. Parce que l'argent, c'est pas comme si on en avait trop besoin en fait, pour le moment. Hein ? Mais d'accord. Bon, on a eu un objet ancestral, c'est bien. Ah, ça me tue là, faut que je boive un coup. The way is lit, the path is clear. We require only the strength to follow it. J'adore comme on n'arrive pas à surprendre aussi, c'est pas mal ça. Oh la pute. A singular strike. Oh là là, du crit, parce que pourquoi pas. Perched at the very precipice of oblivion. Désespoir cette fois. Toi quoi.
teetering on the brink, facing the abyss. Injury and despondence set the stage for heroism or cowardice. This skirmish may be lost, but the battle may yet be won. And now, the true test. Hold fast, or expire. We fall so that we may learn to pick ourselves up once again. Eh ben putain. Isolation prismatique. Okay. Eh ben. The beating heart of the gathering. Qu'est-ce que c'est que ça? Now, bloodless and still. Vol en plein jour. Les opérations sont suspendues temporairement, mais au vu du peu d'options pour quitter le hameau, les porte-paroles sont optimistes quant à une capture prochaine des voleurs. L'activité des salles de jeu est fermée. Le bar moins 50 et la maison close moins 50. Ah, elle est plus maso. Oui, non, mais c'est bon ça. Ha! Il y a des gardes et tout. Marrant. Eh ben. Bon, techniquement, c'est pas vraiment un échec. Techniquement, c'est pas vraiment un échec. C'est plutôt une bonne réussite, en fait, d'être parti. Donc, on a isolation prismatique. Bon, ça, c'est cool. Ok. Bon, le seul mauvais côté, bon, on a eu la malédiction pourpre pour lui. Bon, c'est pas trop grave. On a du sang de côté, ça nous en fait combien? 6 maintenant, je crois, ou 5? 6 ou 5? 6, 6, je crois. Tiens, on a eu 2 invites. Alors. Non, je vais être honnête quand même, c'est pas si mal. Donc on a récupéré le mouchoir de lancer, donc saignement et maladie, 50%, c'est bien. Là, il nous reste ça. Il nous reste encore la balle. Il nous reste la balle. Que il faut que je fasse une meilleure équipe. Hein, parce que comme c'est une meilleure équipe comme ça, c'est pas bon. Et ça, c'est détermination et stress. Bon, c'est pas vraiment très utile au final. Tout ça. C'est quoi ça? Genre, on a filé une infection plus 40%. Putain, ça tue. Ok. Là. On peut retourner combattre. Bon, oui, faut être honnête. Faut relativiser. Je crois qu'on a récupéré assez d'argent pour payer en fait le run qu'on vient de faire, voire un tout petit peu plus. On a récupéré des cristaux parce qu'on a trouvé la bête, la chose. Jayandal est devenu un vampire. Bon, c'est pas. Ça peut aller. On a récupéré un objet ancestral au final. Même si c'est pas celui-là de. C'est pas la récompense, on en a récupéré un autre. Donc c'est quand même bien. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Et on a eu 2 invitations du baron. Je savais pas qu'on pouvait les stacker en fait, en avoir plusieurs comme ça. Donc du coup, sur un run, on peut en avoir 3-4 peut-être, parce que là c'était vraiment long. Et du coup, bah, on est bon pour tenter plusieurs fois. Non mais, il y a pire quoi. Non, ça va. C'est pas trop. Alors, méditer. Que méditer pour déstresser? Et il a gagné isolation prismatique. Résistance au malus plus 25%, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est très bien.
Nous, on voulait... C'est peut-être le prix que je paye hein, pour avoir tué quelqu'un. In time, mais bon, c'est pas grave. You will know the tragic extent of my failings. Anneau lunaire. Tiens, pas mal ça. Dégâts 15, précision 10. Quand c'est inférieur à 25. C'est pas... on n'a pas assez pour ça. Il nous en manque que 5. Ah, c'est chiant. Je voulais avoir ça en fait pour retenter un run. Ouais, je voulais ça pour retenter un run. Qu'est-ce que je voulais faire moi? Oui, il me fallait beaucoup de choses. Sonner sanatorium. Oui, c'est le sanatorium. Ouais, c'est ça que je voulais faire. Ça marche. Et les autres, faut les déstresser. Donc du coup, personne peut aller à l'église parce qu'il y a un vampire à l'église. Toi, tu peux flagellant. Donc du coup, on peut pas te déstresser. C'est cool. Toi, tu peux. Donc le flagellant, tu vas devoir attendre. Allez, la prochaine fois, on retourne voir le baron. On va faire une équipe un peu mieux parce que la dernière fois, c'était un peu catastrophique avec notre mousquetaire. Je pense que cette fois, on va faire mousquetaire et chien. Ça se passait super bien. Et après, on choisit si c'est le croisé qu'on prend ou alors le maître d'armes. Je dirais le croisé. Ça nous permettrait de tanker facilement, en fait. Genre, on le balance pendant un combat et c'est bon. Alors que le maître d'armes, il faut quand même... Là, le maître d'armes, le truc intéressant, c'est l'esquive... enfin ouais, on verra, on verra. Mais je pense qu'on va prendre le croisé. Croisé vampire, là. Voilà, c'était stressant. C'était stressant. À la prochaine, ciao.